Bonjour et merci pour ta présence. Peux-tu me dire qui es-tu? Bonjour à tous et merci Alexis, je m'appelle Maxime Bernard, j'ai 30 ans et je suis sapeur-sauveteur en Eure-et-Loir. Quelle discipline sportive pratiques-tu en ce moment? Le vélo de route. Depuis combien de temps le pratiques-tu? Je pratique ce sport sérieusement depuis bientôt 3 ans. Auparavant, que pratiquais-tu comme activité sportive? Je faisais de la course à pied et de la natation. Quelle est la raison qui t'a poussé vers le cyclisme? J'ai eu un grave accident en 2014, je me suis fait faucher par une voiture en tant que piéton. Résultat, j'ai eu de multiples opérations au niveau du genou. La dernière opération, c'est une greffe méniscale et je suis malheureusement handicapé. Tu es donc handicapé d'une jambe, aussi à combien de pourcentage as-tu perdu l'usage de ta jambe? J'ai environ 10% d'invalidité sur la jambe gauche qui va s'aggraver au fil du temps. Si j'ai bien compris, le vélo te sauverait d'une aggravation de ta situation de handicap. Oui, le vélo permet de bien muscler mes membres inférieurs et de soulager mes douleurs quotidiennes. Quelle compétition officielle viens-tu de faire dans une équipe composée de valides? J'ai fait le championnat national terre militaire de triathlon en relais. Quel a été ton résultat? Avec mon équipe, nous avons été sacrés champions de France et j'étais le relayeur cycliste où j'ai fait le deuxième temps du général. Combien d'heures d'entraînement par semaine as-tu fait pour préparer cette épreuve? Je m'entraînais entre 15 et 18 heures semaine avec des grosses séances d'intensité. As-tu eu des douleurs à ton genou durant tes entraînements? Oui, mais bizarrement, plus je fais du sport et moins j'ai mal. As-tu réussi à te forger un mental hors norme pour continuer les défis et de refuser de sombrer face à ton handicap? Oui, car c'est très dur de se dire que je serais handicapé à vie et la seule issue c'était de se mettre à fond pour ma famille et surtout de trouver un moyen de passer au-dessus de la douleur au quotidien. Grâce à ton titre de champion de France, tu viens d'être recruté par quelle équipe? Oui, c'est un team qui regroupe des handisports, mais aussi une équipe féminine et bien sûr des valides. Je vais donc y pratiquer le cyclisme en espérant être à la hauteur de ce club. Je crois avoir compris que tu prépares une épreuve en ultracyclisme. Oui, je vais faire la Race Cross Belgique 500 km au mois de mai. Tout ça à cause de Damien Villiers qui m'a donné la motivation. En te souhaitant le meilleur pour toi, où peut-on te suivre? Je suis sur la chaîne Twitch Maxime Bernard FFZ où je fais du vélo virtuel quand le temps n'est pas bon et on peut me voir faire des compétitions en direct.